jingle. Bonsoir et bienvenue pour ce cinquième grand débat, donc toujours consacré à l'alimentation, hein, on continue sur ce thème. Ce soir, donc manger, une question de survie. Je laisserai, comme d'habitude, Guillaume Monin, notre cher animateur, présenter les intervenants et faire une introduction sur ce thème. Je voulais juste dire que c'est un épisode spécial, hein, des grands débats, puisque nous allons nous interroger sur ce que manger signifie pour les plus précaires, mais aussi sur l'alimentation comme marqueur d'inégalité économique et sociale. Et donc là, je vais prendre ma casquette de vice-président d'université pour la culture scientifique et le rayonnement pour vous signaler que cet épisode spécial a été organisé dans le cadre du mois des égalités à l'Université Paris-Cité, qui fait son grand retour, hein, pour une troisième édition du 1er au 31 mars. Et donc, de nombreux événements sont organisés afin de sensibiliser à la prise en compte, au respect de toutes les formes de différences. Donc si vous allez sur le site de l'université, sur le mois des égalités, vous aurez accès aux différentes conférences, tables rondes, ateliers, projections de films, représentations théâtrales, lectures, portraits, formations, et donc ce grand débat qui est consacré à l'alimentation et aux inégalités sociales. Donc évidemment, je ne vais pas vous faire la liste ce soir, c'est trop long, il y a vraiment plein de choses à organiser, mais j'ai quand même pris deux événements pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, si je puis dire. Le premier, c'est la semaine prochaine, il y a un Female Founders Retreat qui est organisé dans le cadre de Circle U, qui est un réseau d'universités européennes auquel l'Université Paris-Cité fait partie. Et c'est une retraite de deux jours autour de la création d'un réseau de femmes entrepreneurs, entrepreneuses, organisé par l'Université Paris-Cité dans le cadre des initiatives sur l'éducation durable et qui a été donc mené par des étudiantes de Circle U. Et donc l'idée, c'est de mettre ensemble des étudiantes intéressées par ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire en gros l'innovation, l'entrepreneuriat féminin en sciences. Le deuxième événement qui a lieu donc ce mercredi et ce samedi, ce sont des ateliers Drag Kings, donc pas Drag Queen, mais Drag Kings, qui sont animés par l'association La Kings Factory, et donc qui mêlent apprentissage des techniques de maquillage, explication du déroulement d'une scène drag, et sensibilisation aux enjeux politiques, à l'histoire du drag, et donc aux personnes les plus emblématiques. Alors pas la peine d'essayer de vous inscrire maintenant, puisque cet atelier, même les deux ateliers, sont complets. Mais vous avez beaucoup d'autres ateliers et événements qui sont organisés et qui sont donc accessibles sur le site de l'université. Donc je vous encourage à aller sur la page dédiée, hein, du mois des égalités. Et vous verrez, donc il y a plein de choses. Et je suis sûr que vous trouverez quelque chose qui pourra vous intéresser. Comme d'habitude, tous les grands débats sont enregistrés et sont disponibles en ligne, donc saison 1 comme saison 2. Les prochains débats auront lieu le 17 avril, 15 mai et 12 juin. N'hésitez pas à vous inscrire pour avoir plus d'informations. Et donc, je terminerai en remerciant l'ensemble du comité d'organisation et toute l'équipe associée, donc Laurie Villard, Cécile Drey, Xavier Koumoul, Virginie Hiss, Samia Seri et toute l'équipe du département Images et Sons, Youssef Taoussi, Eric Descarpenteries, La Seine Souci, Philippe Kiel, et pour l'Amphi Buffon, le régisseur Louis Alcobia, et à l'accueil au micro, Alexandre Justy. Il est probable que j'en oublie un, une ou deux. Voilà, je propose qu'on les applaudisse tous et toutes. Et je laisse la place à Guillaume et ses intervenants. Merci Guillaume. Merci beaucoup Sylvain pour ce texte d'introduction. Bienvenue à toutes et à tous à ce cinquième, effectivement, déjà débat de la saison sur la thématique de l'alimentation. J'ai le plaisir de recevoir deux invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Juste avant de débuter, juste un rappel par rapport au téléphone portable. Si certains n'étaient pas encore en mode silencieux, je vous invite à le faire. Et puis, dans le courant de la soirée, vous aurez également l'occasion d'avoir... oui, c'est bon le son ?
Oui. L'occasion aussi d'interroger nos intervenants. On fera quelques sessions de questions-réponses. Donc voilà, je vous y invite. Et éventuellement aussi, comme c'est retransmis sur le site, sur la chaîne YouTube de l'université, peut-être qu'il y aura des questions aussi qui viendront de la part des internautes. Eh bien, c'est parti. Dans un contexte d'inflation que vous connaissez tous, je pense qu'on l'entend quand même suffisamment depuis ces quelques mois, et de préoccupations aussi croissantes de la qualité des aliments qu'on met dans nos assiettes. Ça, c'est, je fais référence aux autres thèmes de nos précédents débats. Eh bien, la question est tout autre pour une partie croissante de la population française. Quelques chiffres. Le dernier indicateur de l'INSEE, qui date de janvier 2023, indique effectivement une augmentation des prix de l'alimentation de 13% en un an. Et il est estimé qu'en France, il y a 5 à 7 millions de Français qui ont recours à l'aide alimentaire en 2020. Ça, c'est d'après un rapport du Secours catholique de 2021. Concernant spécifiquement les étudiants, il est dit qu'effectivement, 56% des étudiants déclarent ne pas manger à leur faim. Ça, c'est issu d'une étude de l'association COP1 en 2022, donc assez récemment. Donc, fort de ces chiffres-là, quel est donc le rapport à l'alimentation pour celles et ceux pour qui manger est peut-être en fait une simple question de survie? Quelles sont les conséquences aussi bien sur la santé physique et mentale de celles et ceux? Quel rôle essentiel aussi joue l'alimentation sur les questions d'identité, de lien social, mais également d'appartenance? Pour répondre à ces quelques questions, nous avons invité deux personnalités, deux regards différents, deux mondes différents. À ma gauche, Claudia Girola, bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences et chercheur en anthropologie à l'Université Paris-Cité. Bonsoir. Bonsoir. Et puis à ma droite, Taïna Forbin. Bonsoir. Vous êtes co-directrice de l'accompagnement dans l'association COP1 à Solidarité étudiante. Oui, bienvenue à toutes les deux ce soir de nous avoir rejoints et d'avoir accepté notre invitation. Pour dresser un petit peu le cadre, et puis là, je voudrais qu'on aborde dans un premier temps, quelle est la situation en France concernant la précarité alimentaire. Alors, je me suis un peu plongé dans les rapports de l'INSEE, et donc en 2022, il était dit que 5 à 7 millions, comme je l'ai dit tout à l'heure, de millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire. 5 à 7 millions, donc selon les associations, ça représente à peu près 10% quand même de la population, une personne sur 10, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et l'INSEE a fait une étude statistique et rapporté entre 2 et 4 millions de personnes. Bon, tout ça, ça fait quand même déjà beaucoup de millions, avec un recours à différents types d'aide alimentaire. Est-ce que cette augmentation, en tout cas cette vision qu'il y a quand même pratiquement entre une personne sur 10 ou une personne sur 15 qui ont recours à l'aide alimentaire, est-ce que c'est aussi un constat que vous faites, vous, par exemple, Claudia Girola? Bon. Bonjour tout le monde, d'abord. La question, Guillaume vous a dit que je suis anthropologue, donc c'est vrai que je ne travaille pas énormément autour de la question de statistiques. Mais ça tombe très bien pour vous donner une explication. C'est clair que la situation des personnes, et moi je les appelle surtout avec la catégorie de en situation de rue. Pourquoi j'utilise ce terme? Parce qu'en réalité, me permet de mettre ces personnes dans une situation processuelle et de les penser en termes processuels et ne pas figer, comme le terme de sans-abri, que je l'utilise, et que c'est un terme aussi qui permet de comprendre qu'ils se trouvent, d'une part, sans refuge concret, sans logement, sans un chez-soi, et en même temps, sans protection, sans la protection d'un État qui devrait justement assurer la protection de ces personnes. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la situation des personnes sans-abri est grave depuis toujours. J'ai commencé dans les années 90, a été toujours grave. Et ça ne se mesure pas. Ou, si c'est possible de le mesurer, devrait avoir une espèce de paramètre de dignité et, je dirais, de gravité de la situation. Donc, bien sûr, je suis d'accord que la population a augmenté par rapport à la précarité alimentaire, si vous voulez, mais c'est la précarité en général qui a augmenté. Mais il y a un paradoxe intéressant aussi à signaler. C'est que les personnes sans-abri sont habituées depuis longtemps à faire appel
à toutes les aides, les ressources. Ils construisent une espèce de géographie. Hein. Ils maîtrisent une géographie des ressources dans la ville. Le territoire de la ville, c'est un territoire de ressources. Et dans cette saison, elles, souvent, qui sont, je vais utiliser un terme un petit peu provocateur, des annonceurs d'alerte, c'est eux qui se sont rendus compte qu'arriver hein, toute une population à toutes ces ressources, à tous ces restaurants solidaires, etc., une énorme quantité de dispositifs qui existent, et que ce sont eux qui se sont rendus compte hein, de la gravité de cette précarité alimentaire, puisque vous voyez qu'ils venaient d'autres types de populations, hein, des familles, des enfants, des jeunes, etc., qui n'étaient pas habitués. Donc un autre hein. marqueur aussi, quelque part. Ce sont des indicateurs, ce sont eux, elles, hein, ces personnes, qui se sont rendues compte qu'il y avait aussi un processus d'aggravation de la situation. Bien entendu, pour eux, pour elles, hein, la situation s'aggrave de plus en plus. Mais il y a un deuxième paradoxe. Comme je viens de vous dire, ces personnes construisent des territoires de ressources. Il y a les ressources, et elles sont obligées par ce qu'on appelle un petit peu la logique de ping-pong. Hein, les institutions, les associations, etc., donnent, d'accord, mais ne s'organisent pas. Hein, dans le processus justement de ce don. Et donc les personnes sont obligées à chaque fois hein, d'aller et venir, etc., de la soupe populaire à la douche municipale, etc., et repérer hein, dans ce territoire tous les bénéfices qu'ils peuvent obtenir et construire hein, une espèce de, je dirais, d'agenda très très complexe, mais qu'il faut maîtriser parce que justement, c'est là qui dépend toute la vie hein, quotidienne de ces personnes. On y reviendra peut-être un petit peu pour... C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils maîtrisent déjà une connaissance, un savoir, que les personnes qui arrivent hein, à cause de tout ce processus de précarisation actuelle ne connaissent pas et ne maîtrisent pas. D'accord. Donc ça, c'est un paradoxe hein, et qui peuvent, eux, contrôler et en réalité, finalement, subvenir à leurs besoins d'une manière un petit peu, entre guillemets, plus facile. Tenez en compte tous les mots que j'utilise, toujours, il faut le relativiser. Merci. Tania Forbin, est-ce que vous avez une remarque sur le sujet ? Alors du coup, de mon côté, surtout dans le milieu étudiant, on peut constater que les années 2010, il y a une croissance, selon les chiffres de l'enseignement supérieur, le taux d'inscription dans les facultés, etc., a augmenté. Selon les chiffres de l'année dernière, on est à peu près aux alentours de 3 millions d'étudiants qui sont inscrits, Dromcom inclus. Et parmi ces 3 millions, on peut compter également 400 000 étudiants étrangers. Et le constat qu'on fait lors de nos distributions alimentaires, c'est que près de 70% des étudiants qui bénéficient de nos colis alimentaires sont des étudiants internationaux. Parmi ces étudiants, on a également près de 70% de femmes qui sollicitent nos paniers alimentaires. Donc du coup, ce qui peut être interprété notamment du fait que dans l'enseignement supérieur, on a à peu près 55% d'étudiants qui sont étudiantes. Et également, ça peut se justifier en raison du coût de la vie qui parfois est un peu plus important pour une étudiante. Je prends l'exemple de l'achat pour des protections menstruelles ou également des frais médicaux liés justement aux menstruations, etc. Et c'est vraiment tout ce travail qu'on fait avec les associations également qui interviennent également dans le domaine alimentaire. Je prends l'exemple des associations qui sont là depuis bien, bien longtemps que nous, comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, qui constatent également que leur part de bénéficiaire de leur colis alimentaire, près de 50% sont jeunes, c'est-à-dire des jeunes étudiants ou des jeunes qui sont sortis d'université mais qui n'ont pas encore trouvé d'emploi. Et tous ces facteurs corrélés peuvent également nous permettre de présenter une situation, c'est-à-dire de montrer quelles sont les aides qui sont mises à disposition, si l'accès à ces aides, elles sont facilitées ou non, ou également s'il y a une méconnaissance, je dirais, de certains dispositifs parce que certains étudiants sont trop âgés, vu qu'on oublie souvent qu'il n'y a pas que des jeunes qui sont qui sont étudiants, il y a également des personnes en reprise d'études, donc du coup, qui ont de l'aide 25 ans, et souvent, passé 25 ans, on n'a pas accès à certaines aides, soit au niveau des transports, ou etc., ou autre.
D'accord. Donc, si je résume, une partie en fait un petit peu invisibilisée qui sort un petit peu des statistiques parce qu'il est difficile d'avoir des chiffres là-dessus. Et puis, du côté, on va dire, étudiant, quand même une recrudescence, en tout cas une augmentation de personnes qui ont recours en fait à l'aide alimentaire. C'est bien cela. Voyons maintenant quels sont les types d'aides aussi qui sont proposées. Normalement, il y a trois effectivement grands réseaux de distribution. Il y a le premier, c'est les colis, les paniers, c'est-à-dire on donne des aliments en fait directement aux bénéficiaires. Donc ça, c'est le premier, qui est à peu près en pourcentage de trois quarts de l'aide alimentaire. Et ensuite, les épiceries solidaires et sociales. Et enfin, les repas tout faits, type effectivement par exemple au Resto du Cœur. Parmi ces trois grands en fait. On va dire réseau, enfin le type d'aide alimentaire. Le secteur étudiant, est-ce que vous savez quelle en fait voie en fait est privilégiée? Alors souvent, selon les témoignages qu'on a des étudiants lorsqu'on réalise nos enquêtes, on constate qu'ils ont massivement recours à l'aide alimentaire, donc la distribution de paniers alimentaires, car souvent elles sont sans condition de ressources. Enfin, je prends l'exemple de l'association Copains Solidarité Étudiante ou également d'autres associations. Comme Linky, qui ne fonctionne pas sur des conditions de ressources, parce qu'on part du principe que si un étudiant est dans le besoin, il peut tout à fait se présenter sans conditions de ressources pour récupérer un panier, etc. Après, on a également d'autres dispositifs, comme vous avez dit, comme les épiceries solidaires, où là, on constate également que il y a des conditions de ressources qui sont exigées. Parfois, il faut un reste à vivre précis qui est donné par les épiceries pour en bénéficier. Et c'est ce qui fait que malheureusement, certains étudiants sont exclus de ces dispositifs-là, car ils ne répondent pas, peut-être pas à l'euro près, je dirais, aux différentes caractéristiques qui sont exigées pour pouvoir bénéficier de ces... Peut-être petite précision, en fait, les colis, les paniers et les épiceries sociales, en fait, pour y accéder, c'est sous condition de ressources. Il faut pouvoir justifier d'un certain niveau de ressources, alors que pour les repas, type effectivement dans votre association ou type Resto du Cœur, c'est sans condition de ressources, chacun peut effectivement en bénéficier. Je dirais plus que pour les Restos du Cœur, il y a quand même quelques conditions qui sont exigées. C'est pour ça qu'on peut constater qu'il y a une augmentation, je dirais, des demandes d'aide. Vu qu'on n'existe pas de conditions de ressources, les étudiants sont plus amenés à se tourner vers ces dispositifs-là que vers d'autres dispositifs, même si ça n'empêche en rien que la demande est tout à fait croissante, peu importe que ce soit pour les colis alimentaires ou pour les épiceries solidaires. D'accord. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, Madame Girola? Oui. Par rapport au réseau de distribution, quels sont les... Non, il faudrait distinguer entre la manière que les acteurs politiques ou les acteurs associatifs ou humanitaires, etc., conçoivent la chose et se représentent les personnes, dans mon cas, les personnes en situation de rue, et après, les pratiques. Hein, des personnes sans abri, par rapport à toutes ces offres, tous ces dons, etc., qui existent. Et dans ce que je dirais, et ce que j'ai pu constater au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma recherche, que je travaillais vraiment auprès des personnes et avec les personnes, en suivant et dans la rue, c'est qu'en réalité, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette énorme géographie. Et donc, il y a la répartition des colis, il y a les soupes populaires, il y a les épiceries sociales, etc., mais on fait appel à tout. Hein, et même, on récupère par exemple des boîtes de conserve. Alors vous vous direz, mais comment ils font puisqu'ils ne peuvent pas chauffer? Mais ça entre dans un autre marché. Hein. Ils s'échangent avec les riverains, c'est-à-dire les habitants des quartiers où ils sont installés. Ces personnes sont absolument territorialisées. Ils ont des appartenances dans les quartiers. Je suis nantérien, je suis cluchois, j'y suis, etc. Hein, ils le disent. Et donc, il y a tout un marché interne. Hein, ou vendent parfois, ou échangent avec les habitants pour que la boîte de conserve soit chauffée, ou directement la vendent et ils obtiennent de l'argent, par exemple. Hein. Donc, je dirais qu'il n'y a pas une spécificité. Hein. Il y a les spécificités pensées par ceux qui conçoivent des politiques et conçoivent des formes de traitement des populations, entre guillemets, ce terme. Qui existent dans le discours. C'est différente. C'est ça. Donc ça, c'est très important de le considérer, qu'il n'y a pas une spécificité, et cela leur permet aussi d'entrer dans quelque chose qui sont complètement exclus dans la pensée des personnes en situation de précarité,
au plaisir et au désir. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent, hein, à travers ce mécanisme, cette dynamique, hein, parfois accéder à ce qu'ils veulent, hein, et pas à ce qui est imposé. Hein. N'oubliez pas que la soupe populaire ou ce type de dispositif, on conçoit un repas, hein, qui est unifié, hein, et qui, d'une certaine manière, homogénise, et ils se sentent, eux, hein, homogénéisés dans leur corps. Ils sont considérés comme des corps ou comme des ventres affamés. Et ils disent, hein, très clairement, nous ne sommes pas des morts de faim. Hein, nous sommes des personnes. Et c'est indissociable la question du corps et de la personne, hein, pour les personnes. Et disons, je vais être un petit peu... je vais faire une provocation. Ils sont comme nous. Quand je dis « ils », ça me gêne même. Hein. Ils sont comme nous. Hein. Donc, ils sont nous. Et donc, dans ce sens-là... Hein, il y a toute cette dynamique, hein, qui permet d'une certaine manière, de temps en temps, je ne dis pas, je ne veux pas du tout idéaliser la situation, qu'elle est grave, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui permet de temps en temps accéder à certains plaisirs, accéder en tout cas au choix et à se sentir qu'ils contrôlent leur compte à soi, pour le dire comme ça. Alors pour rester sur les bénéficiaires, les études aussi montrent, et ça, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris aussi, il y avait un peu une certaine pudeur aussi à, en fait, demander justement cette aide alimentaire, parce que dans les représentations qu'on pouvait avoir, surtout de pauvreté ressentie en fait par les bénéficiaires, c'est surtout vis-à-vis de l'alimentation qu'ils sentaient effectivement un peu une dégradation, ou en tout cas être relégué, pas forcément avec une citoyenneté en fait pleine, et que justement du coup l'alimentation était un des marqueurs aussi pour montrer que on avait une pudeur à ne pas solliciter l'alimentation pour ne pas être catégorisé. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous ressentez dans vos études ou que vous avez pu effectivement observer? Oui, on est habitué en général à entendre que ils ne viennent pas manger parce que alors il y a la honte de se montrer qu'on est dans les besoins. Moi, ce que j'ai vu, c'est au contraire, c'est une lutte pour la reconnaissance, tout le contraire. Et donc, d'une part, la lutte, c'est de contrarier, hein, cette représentation que de toute manière est imposée sur eux. Je voulais quand même dire qu'il y a une équation, que nous participons tous de cette équation qui fonctionne et que c'est elle, cette équation typique qui crée ces représentations de ces hommes et de ces femmes au bord du monde. Hein, ayant perdu le repère du temps et de l'espace. Ça, c'est une phrase, hein, typique du travail social qui dit que ces personnes ont perdu le repère du temps et de l'espace, que vous voyez la gravité, puisque l'espace et le temps, ce sont les catégories structurantes de tout homme et de toute femme, c'est-à-dire de la condition humaine. Donc dire, hein, que ces personnes sont en dehors du temps et de l'espace veut dire que leur statut d'homme et de femme est mis en question. L'équation que je vous ai dit tout à l'heure et que je voulais justement un petit peu transmettre aujourd'hui et que je pense que c'est très important, c'est une équation, disons, simpliste, hein, et qui établit une relation causale et nécessaire entre précarité matérielle de vie, précarité socio-économique de vie, et nécessairement donc précarité de l'être, précarité de la présence au monde. Ce n'est pas du tout comme ça, hein, qui est... Cette précarité, que je ne nie pas, hein, de matériel de vie, hein, qui met cette personne dans une situation de lutte permanente, hein, pour la survie ou pour la vie quotidienne, hein, ne parle pas des personnes et des femmes qui sont en dehors du monde. Hein, et comme on est un petit peu habitué à entendre le mot de désocialisé ou de désaffilié, même si le terme de désaffiliation qui vient de Robert Castel est une notion très intéressante qu'on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui. Mais il n'y a pas de processus de désocialisation. Hein, du moment qu'on parle de désocialisation, on est en train, encore une fois, de dire, hein, que ces personnes sont en dehors du temps et de l'espace, donc en dehors de la condition humaine. Et vous voyez quelle violence interprétative on applique à ces personnes qui se trouvent finalement dans la nécessité d'une lutte permanente pour contrarier ces représentations. Je ne sais pas si je vous ai répondu en réalité. Un petit peu, si, si. Si, si. Taïna Forbin, qu'est-ce que vous, pour bénéficier justement, est-ce que vous ressentez aussi un peu une certaine pudeur en fait pour réclamer de l'aide alimentaire? Je dirais souvent que avant que j'entre dans l'association, la précarité étudiante,
On avait l'impression que c'était surtout un sujet qui était tabou. Mmh. Enfin, je sais que dans ma promotion, avec des gens avec qui je discute, on n'avait pas ce rapport-là à l'alimentation, surtout ou par rapport au fait qu'on n'a pas assez de budget pour s'alimenter correctement, ou alors on est en précarité, mais on n'en parle pas parce que, vu que tout le monde a l'air de se porter bien, je veux dire qu'on a tous un peu cette impression, c'est-à-dire que tout le monde va bien, tout le monde sourit, alors que peut-être ce n'est pas le cas. Je trouve que la période surtout du Covid-19 a été un peu révélateur du fait que tout le monde peut être impacté par cette précarité, et notamment les étudiants, même si il faut quand même faire une remise en contexte. La précarité étudiante, ça a toujours été un truc qui existait, même si le Covid a amené à se questionner sur tout cela. C'est quand même un phénomène qui existe depuis bien longtemps, et je suis également d'accord avec ce que Mme Girola a dit, qu'il ne faut pas faire une sorte de classification, c'est-à-dire que les étudiants en situation de précarité, ils sont là, et les étudiants, ils sont de l'autre côté, alors qu'on est tous étudiants et on peut tous être frappés par la précarité. Enfin, souvent, dans les témoignages qu'on a d'étudiants, ça arrive à des moments inopinés. Je prends l'exemple, on est en difficulté financière, notre ordinateur tombe en panne. C'était pas le moment, surtout quand on a du mal à payer son loyer, on a du mal à s'alimenter. Et du coup, on entre un peu dans cette spirale, dans ce phénomène où on a cette honte de dire que, mon ordinateur, il ne fonctionne plus. Donc du coup, est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour m'aider à en racheter un autre? Et c'est également ce travail qu'on fait avec notamment le plaidoyer de l'association pour également montrer qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide alimentaire. Si on en ressent le besoin, il ne faut surtout pas hésiter à se rediriger vers les associations qui peuvent tout à fait aider et accompagner au mieux les étudiants en fonction de leur situation. D'accord, très bien. Alors c'est vrai que par rapport en fait à cette situation-là, c'est un sujet qui préoccupe pas mal aussi les politiques publiques aussi, hein, que ce soit même d'ailleurs à différents échelons. J'ai appris qu'il y avait effectivement aussi un fonds européen en fait, hein, pour l'aide alimentaire qui était ensuite redispatché entre les différents pays, et les différents États ensuite redistribuent d'une manne financière en tout cas surtout. En France, on peut donc à des associations de terrain. En France, on peut citer la Croix-Rouge française, les banques alimentaires, les Restos du Cœur, et puis aussi le Secours populaire français. Je ne sais pas si votre association bénéficie aussi de fonds en fait. On ne bénéficie pas justement des fonds, mais on a également un partenariat avec la Banque alimentaire qui nous met à disposition des denrées qui sont issues des fonds européens. Donc du coup, on a un apport de denrées. Qui permet d'alimenter nos paniers alimentaires. Mmh. D'accord, très bien. Il y a aussi l'opération, un repas aussi à 1 euro, donc, qui est en vigueur dans les cantines publiques, enfin plutôt pour l'élémentaire et le collège et le lycée aussi. Et puis pour le cas des étudiants, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Donc oui, par rapport à ces fonds, là ce que je voudrais qu'on voit ensemble maintenant, c'est effectivement est-ce que c'est bien ciblé, et puis l'efficacité aussi que ça peut avoir. Ben, je reste avec vous, Taïna, pour avoir justement votre témoignage. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs... Je suis un peu parti rapidement, j'ai fait une description un peu rapide de ce que vous faisiez. Est-ce que vous pouvez d'abord, dans votre cas personnel, nous décrire votre mission et quel est votre rôle au sein de l'association? Alors du coup, au sein de l'association, je suis co-directrice de l'accompagnement. Donc du coup, c'est une direction de l'association qui s'occupe d'accompagner et d'aider les étudiants en dehors des distributions alimentaires. Donc du coup, on fait tout un travail de redirection vers des associations, des institutions, en fonction des problématiques rencontrées par les étudiants. Je prends l'exemple au niveau des aides financières. On a souvent des jeunes qui nous sollicitent car ils ne savent pas quelles sont les aides auxquelles ils ont accès, etc. Donc du coup, on a réalisé tout un travail de documentation avec l'association sur les différentes aides et dispositifs auxquels ils peuvent prétendre, ou ils peuvent contacter des assistants sociaux, se renseigner, etc. Et on a également organisé depuis la rentrée de septembre 2022, vu que c'est une direction toute nouvelle, alors que l'association l'a créée depuis 2020. Donc du coup, on organisait principalement des distributions alimentaires, et on a constaté que justement, il y a une question d'accompagnement qui doit être fait pour répondre au mieux aux problématiques des étudiants, vu que le but, c'est de les sortir de la précarité, je dirais, pas de les maintenir.
Et c'est également justement, comme je vais revenir sur ce que je disais, depuis septembre 2022, on organise tout un travail de professionnalisation, c'est-à-dire d'aide à l'aide d'action d'outils professionnalisants comme les CV, la lettre de motivation. C'est-à-dire qu'en partenaire avec d'autres entreprises ou des associations, on organise des ateliers de correction de CV ou de lettre de motivation, également de prise de parole, pour permettre aux étudiants d'avoir tous les atouts, je dirais, pour candidater, enfin pour, pouvoir avoir un job étudiant, vu que c'est la principale problématique qui revenait. On avait certains étudiants qui, malgré leurs maintes et mêmes efforts pour avoir un job étudiant, ne parvenaient pas à en avoir. Et en dehors, je dirais, de tout cet accompagnement et de cet aspect de professionnalisant, on est également ouvert un accès à la culture et au sport, vu qu'on a, constaté sur notre étude que un peu plus de 50% des étudiants aimeraient bien se consacrer à des loisirs, ce qui n'est parfois pas possible, notamment du fait du cumul des études et également d'un emploi. Donc du coup, on met à disposition également des activités culturelles et sportives gratuites. Je prends l'exemple de l'événement qu'on a organisé samedi dernier avec la Fondation Paris Saint-Germain. Donc du coup, on a organisé des petites activités, des ateliers de CV de lettres de motivation pour les étudiants, et on a également terminé par une distribution alimentaire. Donc du coup, le but de l'association, c'est vraiment de... Un accompagnement assez complet. Oui, voilà. Vraiment accompagner durablement les étudiants, pas que sur l'alimentaire, mais également sur tout un aspect accompagnement. Alors, concernant l'aspect alimentaire, moi, j'étais assez effaré de lire que, donc, comme je l'avais cité tout à l'heure, 56% des étudiants déclarent ne pas manger à leur faim, 46% des étudiants sautent des repas. Selon vous, en fait, quelles sont les causes un petit peu? Pourquoi la population, on va dire, quelle est la raison pour laquelle pour les étudiants ont une forte exposition en fait à la précarité alimentaire? Alors, je dirais que c'est surtout en fonction des revenus des étudiants, vu qu'ils sont très modulables. Je prends l'exemple des chiffres de l'Observatoire de la vie étudiante en 2021. Le revenu moyen d'un étudiant était à peu près à 600 €, alors que le seuil de pauvreté en France est fixé à presque 1 100 €. Donc du coup, on est situé un peu deux fois en dessous du seuil de pauvreté. Et ça peut s'expliquer notamment du fait de la précarité des emplois. Les étudiants sont parfois payés au SMIC dans des contrats à durée indéterminée et parfois dans des conditions de... Enfin, je dirais que ce ne sont pas des emplois très qualifiés. Et, justement, donc dans le budget étudiant, on peut dire qu'il y a une partie... loyer, une partie loisirs aussi, une partie alimentation, une partie santé. Est-ce que du coup, en fait, quand il y a des choix à faire et qu'on a un budget aussi contraint, est-ce que du coup, c'est un peu l'alimentation qui trinque, si je peux dire? Alors, du coup, selon les chiffres de notre étude qu'on a menée l'an dernier, on constate que le logement représente le premier poste de dépense des étudiants. Et que l'alimentaire vient en deuxième position. Cependant, comme j'expliquais, les revenus étudiants sont très bas, les bourses sont très basses. Quand on peut y accéder, parce que les conditions, parfois, elles ne permettent pas à certains étudiants, parce que les parents gagnent un peu trop, de bénéficier de ces bourses-là, qui sont pourtant essentielles, je dirais, pour tout étudiant. Et malheureusement, on se retrouve à devoir avoir plusieurs emplois étudiants. J'ai également le constat, je le vois également de moi-même, où j'ai certains de mes camarades qui cumulent plusieurs jobs étudiants pour pouvoir survivre. Et normalement, je trouve que ça ne devrait pas, je dirais, être le cas, et qu'on devrait permettre à plus d'étudiants de bénéficier des aides qui sont octroyées par l'État aux étudiants. Quels sont les profils aujourd'hui que vous, dans votre association, vous voyez les bénéficiaires? Moi, je disais dans certaines études, en fait, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Est-ce que tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était plus de femmes? Oui, dans nos distributions alimentaires, on a près de 70% des étudiants qui sont des femmes.
Vous avez une explication à ça? On a trouvé, on s'est dit que ça pouvait s'expliquer, notamment du fait des témoignages, en raison de la précarité, comme j'ai dit, des emplois, également en fonction de la précarité menstruelle, sujet dont on ne parle pas souvent, l'achat de protection périodique également, de médicaments, j'irais en fonction des menstruations qu'on a, représente quand même un coût non négligeable pour les étudiants. On a également constaté que certains de nos étudiantes n'étaient pas au courant que porter des protections justement au-delà de 8 heures pouvait causer des syndromes comme le choc toxique, etc. Et c'est à partir de ce constat-là qu'on a établi le fait que la majorité des étudiants qui nous sont ici sont étudiantes. Est-ce que le fait justement d'avoir un job à côté se prémunit justement de ne pas avoir recours à l'aide alimentaire ? Malheureusement non, vu qu'on a quand même certains étudiants qui, malgré le fait qu'ils ont un job étudiant, sont quand même présents sur nos distributions alimentaires. Ça peut s'expliquer également en raison du coût du loyer qui est important, surtout à Paris, en Ile-de-France, qui parfois peut... Le salaire, je dirais que... le salaire de l'étudiant peut être absorbé sur le loyer, et en ayant payé les factures, etc., malheureusement, il ne reste plus grand-chose à la fin du mois. En termes de catégorie socio-professionnelle, est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce que c'est... Je dirais qu'il n'y a pas de profil type, c'est vraiment tout type d'étudiants. On a des étudiants qui travaillent, mais on a constaté également qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui nous sollicitaient, notamment parce qu'ils n'avaient pas accès à certaines aides. Je prends l'exemple de la bourse du CROUS, où des conditions leur sont demandées, comme par exemple attester d'un foyer fiscal en France pendant au moins une durée déterminée. Donc du coup, ce qui peut expliquer que certains échappent à ces aides-là. Et ça peut également s'expliquer en raison de, j'ai perdu mon... On parlait des catégories socio-professionnelles, est-ce qu'il y avait un profil type ? Oui, alors du coup, je dirais qu'on a également une partie de nos étudiants qui sont au niveau du doctorat. Mm-hmm. Donc du coup, son constat a également été fait en raison du fait que dans son cursus universitaire, on a droit à 7 droits de bourse maximum qui est fixé par le CROUS. Et au-delà de ces 7 droits de bourse, on ne peut plus bénéficier de ces aides en question. Donc les études longues, finalement. Oui, les études longues, malheureusement, elles sont quand même délétères au niveau du budget pour l'étudiant. D'accord. Quel impact ? Alors, effectivement, il y a aussi un impact, je dirais, sur l'alimentation, la nutrition, aussi donc sur la santé. Mais il y a aussi certainement aussi un impact sur le lien social. Vous me disiez en préparant ce débat que parfois, on préférait de dire non, j'ai du travail, je préfère travailler et ne pas participer aux sorties parce qu'effectivement, aller au restaurant ou sortir entre amis, ça pouvait être problématique. Oui, justement, comme j'avais dit, parce que dans certains milieux étudiants, notamment le mien, même si je suis étudiante dans l'association, je constate que dans ma promotion, on n'a pas cette réflexion de précarité étudiante. Certains pensent même que la précarité, c'est pour les gens qui sont dehors de l'enseignement supérieur, qui travaillent et qui, du coup, ont du mal à boucler leur fin de mois. Je dirais que c'est un peu l'exemple qu'on nous a toujours représenté. Mmh. Et que l'exemple de l'étudiant qui n'arrive pas à se nourrir, qui a du mal à s'octroyer quelques loisirs, est un peu mis de côté parce qu'on pense que la famille, elle est à côté, elle peut aider, ou également, on n'a qu'à avoir un job étudiant pour pouvoir payer nos factures, etc. Alors que je pense que c'est plus compliqué que cela. Enfin, comme j'avais dit, les emplois étudiants sont peu payés parfois. Il y a un cumul de jobs qui est fait pour pouvoir payer les loyers qui sont parfois très chers en fonction de l'endroit où on étudie. Et parfois, ça peut arriver qu'on n'ait pas ces sujets-là dans certains cas et qu'on se retrouve avec des étudiants isolés qui sont totalement en dépression parce qu'ils ne savent pas quoi faire et qu'ils ne savent pas, ils ont un peu cette honte, je dirais, d'en parler, quoi, tout simplement. Peur du jugement, ce genre de choses. Hein. Est-ce qu'on peut distinguer un peu une corrélation, si ça peut être audacieux, mais entre la réussite de ces études et justement cette situation de précarité ? Alors, je dirais que c'est un peu...
Ben oui, justement, plus, enfin, les étudiants qui sont amenés à avoir un job étudiant comparé à d'autres étudiants qui n'en ont peut-être pas besoin, sont plus sujets aux échecs scolaires que d'autres étudiants. Je prends l'exemple du constat qui a été fait dans ma promotion. En début d'année de licence, on était à peu près 1100 étudiants. On était un peu la génération Covid, je dirais. Mmh. Et on constate qu'en cette troisième année de licence, on est à peu près 300. Mmh. Donc du coup, on a quand même perdu beaucoup d'étudiants en cours de route. Et ça s'explique, je pense notamment à cause de la fracture numérique, où on a eu pas mal d'enseignements distanciels la première année. Et certains étudiants n'avaient peut-être pas une bonne connexion ou n'avaient peut-être pas les bons équipements à disposition. Ce qui peut expliquer que certains ont lâché ou également le fait que il n'y avait pas de... il y avait le confinement, donc du coup, il n'y avait pas d'emploi. Les petits boulots dans les restaurants ou les supermarchés qui permettaient aux étudiants de pouvoir payer leur loyer et leur nourriture. Donc du coup, certains ont peut-être abandonné leurs études et donc du coup, se sont orientés vers autre chose. Mais c'est un peu, je dirais, des étudiants qu'on a perdus. Mm-hmm. Faute de moyens suffisants et je dirais plus... en raison de la faible mise en lumière de ces situations-là. Est-ce que parfois, justement, enfin, une fois que les étudiants rentrent dans la vie active, hein, tout simplement, est-ce que le fait d'avoir été en précarité alimentaire et d'avoir eu recours à cette aide, est-ce que du coup, ça devient un peu comme une habitude et est-ce que c'est des choses qui perdurent ou est-ce que c'est des choses que vous avez pu voir après? Ben, souvent, on a quelques étudiants qu'on reconnaît en distribution parce qu'ils ont été bénéficiaires de nos paniers alimentaires. Mais souvent, on a également des étudiants qui ont pu s'en sortir quand même de cette précarité, notamment grâce à tout le travail que l'accompagnement a mis en place au cours de ces deux dernières années. Je dirais que grâce à une meilleure circulation de l'information, mm-hmm. je dirais notamment au niveau des aides et dispositifs, ou également du fait que certains qui ne parvenaient pas à trouver un job étudiant ont pu trouver un job étudiant qui répond à leurs besoins, on fait que certains ont peut-être moins besoin, je dirais, de nos paniers alimentaires que d'autres qui en ont peut-être toujours besoin. Parce qu'ils sont, ils n'y arrivent toujours pas à pouvoir répondre complètement à tous leurs besoins. Oui. Est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que ça vous évoque, Claudia Girola, cette situation des étudiants? Est-ce que vous avez... bien. Oui, il y a des échos rapport aux personnes sans abri et en même temps, des grandes différences. C'est difficile, évidemment. Je vous avais dit tout à l'heure que ces personnes construisent une sorte d'agenda très complexe pour organiser les activités de tous les jours. Et cet agenda est lié aussi à une complexité de la comptabilité. Il faut penser qu'il y a, en tout cas, un grand secteur des personnes sans abri qui fonctionne dans une économie où il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'argent. Mmh. Donc, tout c'est une intelligence permanente et quotidienne pour obtenir des bénéfices, mais où l'argent ne circule pas. Donc, c'est que du troc, c'est de la demande, c'est la manche, il y a des clients fidèles, il y a des espaces dans la ville qui sont occupés, donc il y a une territorialisation de la ville, et donc on n'occupe pas le territoire de l'autre, etc. Donc, et en même temps, c'est une vie où il y a, et c'est paradoxal, où il y a une discipline pour tenir ces agendas et pour tenir une certaine comptabilité obtenue par ce type de pratiques. Je voulais juste, oui. Excusez-moi, je vous interromps, faire le lien un peu avec le monde étudiant. Est-ce qu'il y a aussi un phénomène d'étudiants un peu à la rue, j'ai envie de dire, trivialement, est-ce que c'est des choses que vous constatez de part et d'autre? Il y en a. Et moi, là, je peux parler en tant que professeur à l'université, qu'on a eu une énorme quantité des étudiants, et particulièrement des étudiants étrangers, qui nous ont téléphoné au milieu de la nuit ou les week-ends, etc., en pleurant, etc., en nous disant, on est dans la rue, on a été chassés, beaucoup d'étudiants qui arrivent à la famille, par exemple, ce sont des migrations en famille,
et qu'ils ont été chassés, qu'ils ont eu une dispute, qu'il y a eu un problème, hein, et qu'ils se retrouvent dans la rue, et une énorme quantité, oui, des étudiants. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Mais surtout, ce sont les étrangers, particulièrement, je dirais. Mmh. Ouais. Vous confirmez? Oui, enfin, justement, on a également son constat, malheureusement, d'étudiants qui sont à la rue. On a eu dernièrement un appel à l'aide d'une étudiante sur nos réseaux sociaux qui nous a sollicité justement sur le fait, enfin, est-ce qu'on pouvait lui accorder un hébergement. Enfin, parfois, les étudiants sont dans des situations tellement extrêmes qu'ils en viennent même à nous demander si on peut leur payer des logements. Mmh. Malheureusement, le seul travail qu'on peut faire, c'est de la redirection. Je prends l'exemple du SAMU social, mais malheureusement, on sait très bien qu'ils sont saturés en ce moment et parfois c'est très complexe. Et certains accueils de jour où on pouvait y accéder, j'irais librement, maintenant sont restreints du fait que, j'irais tout en ce moment est saturé, notamment du fait que c'est la période hivernale, etc. Où, enfin, les plans grand froid, j'irais, ont été déclenchés par le gouvernement, etc. Et, malheureusement, enfin, même dans le milieu étudiant, on peut retrouver certains cas d'étudiants à la rue. Un peu extrême. Et comme Madame Girola l'a dit, parfois, la plupart du temps, ce sont des étudiants internationaux qui n'ont pas de famille ici ou qui également ne sont pas éligibles aux différentes aides qui sont mises à disposition par l'État ou également qui sont tout simplement en attente, je dirais, et on a souvent cette situation-là, de titres de séjour. Parfois, certains nous disent que ça fait 6 mois, ça fait 1 an qu'ils attendent leur titre de séjour parce que sans titre de séjour, ils ne peuvent pas postuler pour un job étudiant. Mmh. Et après, tout en découle, effectivement. Ce que je propose, c'est peut-être de prendre quelques questions. Est-ce que ça a suscité des interrogations? Est-ce que vous voulez en savoir un peu plus? Là, je pars pour plutôt la partie étudiante. Ah, la lumière, c'est le coup. On peut voir les gens. Est-ce qu'il y a des étudiants dans cette salle? De jeunes étudiants? Ou des nouveaux? Assez peu. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on continue. Pas de, non plus sur... Sur le chat. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, on peut se remettre dans l'obscurité et on va pouvoir donc, cette fois, je me dirige vers Claudia Girola pour la partie, effectivement. Alors, vous étudiez la précarité urbaine extrême. Est-ce que vous pouvez justement un petit peu nous expliquer quel est le champ de recherche de vos études? Oui. Parce que je crois que vous n'aimez pas trop qu'on appelle les sans-abri. Vous avez effectivement utilisé un autre terme tout à l'heure. Non, j'avais dit que bien entendu, on peut utiliser le terme de sans-abri. Et actuellement, on parle même du sans-abrisme. Hein, c'est une catégorie qui s'est consolidée, je dirais, depuis une vingtaine d'années. Hein. J'ai commencé ici en France à travailler dans les années 90. On ne parlait pas vraiment concrètement de sans-abri. Et surtout pas de sans-abrisme, hein, ce qui dit actuellement qu'on est presque tout le monde habitué à entendre ce mot, comment la chose s'est consolidée, s'est renforcée, et la population aussi s'est modifiée. Hein. Quand j'ai commencé, je n'aime pas beaucoup faire des typologies, mais on pourrait dire que c'était un Français entre 25 ans et 60 ans, sans travail, parfois des travailleurs pauvres. Actuellement, on peut dire que c'est une population qui s'est féminisée, qui s'est familiarisée, qui s'est étrangérisée. C'est ce qu'on disait avec les étudiants, hein, de plus en plus, bien entendu. Et c'est pour cela que j'utilise plutôt actuellement une catégorie qui, en réalité, est née en Amérique latine, hein, en situation de rue, comme je vous ai dit, parce que je préfère rendre compte de ce processus. Hein, la situation de rue, ne reflète pas forcément une vie entière. Hein, et c'est ça ce qui m'intéresse, moi, de rendre compte. Et de rendre compte aussi, en réalité, quelque chose qui est venu, en réalité, du terrain, des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, que c'était une phrase qui est devenue pour moi une notion, et presque une catégorie, et je dirais un concept, que c'est « tenir malgré tout ». Tenir malgré tout, et le malgré tout, il ne faut pas l'entendre comme une résignation. Au contraire, le malgré tout, ça serait le tout, c'est tout ce qui s'impose sur ces personnes, tous les conditionnements et les difficultés qui s'imposent. Et le malgré, c'est une certaine lutte, une certaine résistance. Je ne veux pas non plus, comme je vous dis, idéaliser. Hein, ce sont en tout cas des luttes silencieuses, hein, des pratiques quotidiennes
pour tenir. Et le terme, c'est tenir. C'est très intéressant parce que c'est, les personnes sont dans une constante, je dirais, tension. Et le tenir implique aussi rester personne. Par rapport à l'alimentation, il y avait un monsieur que je connaissais qui me disait tout le temps, non mais attends, tu sais, je mange tout le temps du chocolat. Alors j'étais étonnée qu'il me dise comme ça, et il me dit, je mange du chocolat, pas seulement à cause de l'énergie qu'il peut me donner, mais pour tenir la tête. Et donc là, je me suis rendu compte que la lutte était constamment de ne pas tomber dans la dissociation, qu'en réalité on les met, entre corps et personne. Donc garder la tête, le chocolat, c'est-à-dire l'alimentation qui en réalité nourrit un corps, nourrit ses ventres affamés, comme dirait Hippie Thompson, un grand historien qui a travaillé justement la classe ouvrière anglaise, ce n'est pas uniquement qu'on doit me considérer comme un ventre affamé, je suis une personne, et c'est pour cela que je mange. Et donc ça, c'est très intéressant, puisque c'est eux qui ne dissocient pas le corps et la personne. C'est le traitement social qui dissocie, à tel point, justement, que, comme je vous ai dit, construit cette géographie de ping-pong, où on les oblige à un déplacement permanent dans la ville, pour subvenir à leurs besoins. L'alimentation sert du coup aussi un peu à garder une dignité, mais aussi à penser, pas simplement qu'à... Je voulais justement revenir à ça, parce que je m'attendais à la question de la dignité. En général, dans les discours aussi, on est habitué à dire que c'est des personnes qui ont perdu la dignité, ou qu'ils ont perdu la dignité. Oui, on entend beaucoup ça. Moi, je corrigerai cela. Ils n'ont jamais perdu la dignité. On les a mis dans des situations indignes. C'est un système, un traitement qui les a mis dans des situations indignes. Les personnes n'ont jamais perdu leur dignité. C'est pour cela la lutte. Je voulais ajouter quelque chose. On pourrait, pour vous donner une image, en réalité, les personnes sans-abri meurent, même il y a une association des morts à la rue. Et que tous les ans se réunissent pour nommer, ça c'est très intéressant, nommer tous les sans-abri ou toutes les personnes en situation de rue qui sont morts cette année et l'année suivante, etc. Et donc, je me suis perdue. L'association, oui. Oui, oui, boum, un blanc. Et, on parlait de la dignité. De la dignité, oui. Non, donc, ça va venir. C'est quelque chose qu'on a réassigné. Ça va venir. Ça va... Non, dommage. Bon, je l'ai perdu. Bon, on reviendra peut-être oui, tout à l'heure. Oui, oui, sûrement. Moi, ce que j'ai été assez frappé, c'est par rapport à toute l'aide alimentaire qui est faite en France, en fait, parmi tous les bénéficiaires, 4% en fait sont concernés. Enfin, les sans-abri représentent que 4% en fait, ce qui pourrait être un peu paradoxal. On pourrait se dire que c'est eux principalement qui en ont le besoin, mais en fait, peut-être qu'ils n'y ont pas forcément recours. Je suis restée un petit peu avec la recherche de ma question. C'est vrai, excusez-moi. Ça rejoint un petit peu l'aspect de dignité, que parfois les sans-abri n'osaient pas aussi se plaindre et de demander justement à manger. Oui, oui, ils demandent à manger, bien entendu. Mais ils ont d'autres pratiques, par exemple... c'est un petit peu pour revenir à ce que j'étais en train de dire, mais autrement. Ils ont recours aussi à la poubelle. Et donc, la poubelle, c'est quelque chose de très intéressant parce que démontre, encore une fois, qu'ils sont complètement dans le social et qu'ils ne sont pas désocialisés. Vous comprenez que quand on va à la poubelle, il faut faire une distinction fondamentale que c'est entre le pur et l'impur. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans la condition humaine. C'est de distinguer ce que c'est le pur et l'impur. Donc il y a un travail précisément de socialiser ce qu'on va, justement consommer et qui va continuer à jouer dans la construction de ma personne. Donc je voulais aussi un petit peu montrer et un petit peu, je dirais, contrarier l'image que aller et manger de la poubelle, ça serait aussi un indicateur de désocialisation. C'est tout le contraire. C'est un travail, c'est une violence énorme à laquelle les personnes se confrontent quand il n'y a plus à manger, par exemple. Et en même temps, je dirais, ils savent très bien que dans la poubelle, il y a des choses qui ont été jetées
et d'une manière, je dirais, d'une manière très gratuite, par exemple. Ils négocient énormément avec les fast-food, avec les pizzerias, par exemple, etc. La récupération, vous savez qu'il y a une loi que les fast-food, etc., les hamburgers, etc., on ne peut pas les garder plus d'une heure pour la vente. Donc, on les met à la poubelle. Et donc, ces personnes, ils savent à quelle heure on va les mettre à la poubelle. Et d'une certaine manière, il y a comme une espèce de négociation où on laisse dans la poubelle et ils récupèrent rapidement parce que de toute manière, il va être jeté à la poubelle directement. Donc, il y a toute, je dirais, une intelligence, un savoir qui se construit en fonction de l'alimentation. De garder aussi le choix, en fait, dans son alimentation. Absolument. Si je peux m'exprimer ainsi. C'est d'une certaine manière aussi, oui. Bon, je dirais que quand vous êtes dans une situation extrême de vie, il n'y a pas beaucoup d'options. Et quand on dit qu'il y a des options, il n'y a pas d'options. Il y a des conditionnements. Donc, moi, je serais de cette idée qu'il n'y a pas beaucoup d'options quand vous êtes dans une situation extrême. Dans les pratiques aussi, vous parliez que il y a un peu on parle de mangeur solitaire. On pourrait avoir tendance à se dire, mais voilà, de manger, c'est aussi un acte de social, de lien social, mais que voilà, pour les sans-abri, c'est particulier. Non, c'est vrai. Donc c'est très intéressant de voir comment les associations, comment tous les dispositifs sont pensés pour créer du social et pour créer de la commensalité et pour créer de la convivialité. Et ce qu'on voit en réalité, c'est une autre attitude de la part des personnes. Ils veulent être des mangeurs solitaires. Parce que dans le manger solitaire, il y a ce que moi j'appelle le repli pour soi, pas le repli sur soi. Il y a un repli pour soi qui amène la personne précisément d'abord à un moment mémoriel. Quand même, l'alimentation renvoie à des identités archaïques, à des unités domestiques, des familles, des parentés qui ont disparu ou qui sont un petit peu éloignées. Et donc, c'est le moment où la personne revient à elle-même. C'est comme une espèce de réappropriation. Et en plus, ce qu'elle dit, je trouve que c'est très intéressant d'entendre ça, c'est que ce que les agace, c'est que toutes ces associations, qu'elles reconnaissent les bonnes intentions et les intentions humanitaires, en réalité, elles essayent avec elles d'accomplir leur propre utopie. Et donc, alors qu'elles ne cherchent pas forcément la logique communautaire, elles veulent être des individus. Je veux une petite maison comme toi. Je veux entrer dans le droit. Je voudrais qu'on me reconnaisse le droit qui est reconnu par la Constitution d'avoir un logement. C'est tout. Par exemple, je parle ou de manger. Là, j'étais en train de lire et c'est quand même hallucinant de le penser. Lula, en Brésil, essaye de réinstaller un programme alimentaire. Et quel est le but? Mais quand on l'entend, c'est assurer que les personnes mangent 3 fois par jour. C'est dur d'entendre ça. C'est décalé par rapport à... C'est quelque chose de l'évidence. De l'évidence du tenir un homme dans la condition humaine. Et donc, c'est dans ce sens-là que je le dis, que c'est fondamental à chaque fois de tenir en compte le point de vue et le savoir et la compétence de ces personnes qui l'ont constamment. Et que c'est la lutte constamment pour ne pas tomber dans une désolation. Oui, la solitude. La solitude, c'est la capacité que nous avons de parler entre nous-mêmes et avec soi-même. La désolation, oui, c'est vrai. Et j'ai trouvé des personnes en situation de désolation où, évidemment, il y a une perte progressive de la conscience de soi, si vous voulez. De toute manière, moi, j'ai dit toujours, je ne suis pas psychologue, je suis argentine, alors j'ai fait de l'analyse depuis 30 ans, depuis 40 ans. Quand on est argentine, on s'analyse. Mais je n'ai pas de compétences, et je n'applique pas ce type de compétences avec les personnes. Je cherche la personne dans sa caractéristique, dans sa dimension sociale, et je la trouve. Du moment qu'on s'entend, du moment qu'on peut entrer dans l'échange, du moment où on peut entrer dans la réflexivité, pour moi, c'est suffisant. Je suis avec la personne. Je peux entrer en conversation. Conversation, je dirais, réflexive.
Parmi justement les sondages, est-ce que vous avez le sentiment que justement la question de l'alimentation est une question prioritaire ? À l'extérieur, on pourrait penser que oui, mais peut-être que... Oui. Attention au micro. Ouais. Peut-être que vous avez un autre point de vue sur la question. Pardon, hein. Je ne sais pas comment je fais ça. Bon, à côté du fauteuil. Comme ça, oh, oui. C'est bon. Oui. Parfois, on choisit, et pour revenir à Taïna. Taïna. C'est difficile la question de si on choisit dans le budget quotidien, qu'il n'y a pas en réalité. Ça dépend du jour, ça dépend des activités, ça dépend de ces déplacements obligatoires constamment. Hein, qu'on va choisir tel ou tel jour à ne pas manger à sa faim. Hein. Mmh. C'est un choix, non, ce n'est pas un choix, mais c'est conditionné et déterminé par les conditions de vie de tel jour. Parce que je voulais dire qu'en même temps qu'ils ont un agenda de la semaine, pas tous les jours se fait la même chose. Mmh. Hein, donc c'est pour cela que je dis que c'est un agenda complexe. Hein. Et donc... Parfois, en fait, nous, on aurait tendance peut-être, dans notre inconscient, à subvenir quand il y a des sans-abri qui font la manche, alors, ou même les associations, à leur proposer en fait, directement des denrées alimentaires. Et en fait, ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Ils préfèrent peut-être justement avoir plus... par exemple, de l'argent ou d'autres choses, de façon à pouvoir déjà avoir le choix, mais aussi peut-être, vous parliez déjà un peu tout à l'heure, de faire un peu du troc, avoir un peu une monnaie d'échange, si je peux dire. Oui, c'est entrer dans une économie, et dans une économie morale. Et je dirais, j'avais écrit un petit article qui s'appelait « Du don à la transaction ». Et ce que j'ai constaté, et c'était très intéressant, c'est qu'en réalité, à un moment donné, ils ne voulaient plus entrer dans le don. Hein, puisque, évidemment, vous le savez très bien, lorsqu'on entre dans la logique du don, on entre aussi dans la logique de la dette. Et donc, bien entendu, ils ne peuvent pas rendre, hein, mais ne veulent pas non plus se constituer en acteur d'une dette. Ça, c'est très important, je pense. Donc, préfèrent souvent une transaction. La transaction, c'est-à-dire de payer pour, en réalité, disons, entrer dans une certaine symétrie, dans une asymétrie que s'impose d'une manière objective de toute manière, et ils ne sont pas dupes. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, ou est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? C'est sûr qu'il y a des questions. Aussi bien sur la première intervention que celle qui vient d'arriver. Et ben on poursuit. Ce que je voulais voir ensuite avec vous, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Ça va venir. C'était plus fort de du cadre opposé et puis des situations que vous vivez chacun dans vos spécificités. Je vais revenir avec vous, Taïna. Quelles sont les perspectives en fait à venir pour justement des problèmes qui ont été un petit peu posés là ce soir. Aujourd'hui, quels sont justement les facteurs limitants, quels seraient les leviers en fait pour pouvoir justement sortir là dans votre domaine, le monde étudiant, pour justement sortir de cette précarité? Est-ce que c'est, trivialement, est-ce que c'est juste une question de moyens? Alors, je dirais pas que c'est... je dirais qu'une question de moyens, c'est surtout une question de mise en lumière, je dirais, de la situation, parce que un étudiant qui ne peut pas s'alimenter correctement car il préfère payer directement son loyer, les factures, etc., ça s'explique notamment du fait que certains loyers sont très chers, comme je l'ai dit, notamment car les logements CROUS sont en nombre insuffisant. Je prends l'exemple, on en a à peu près... un peu plus de 200 000 sur le territoire pour 3 millions d'étudiants, c'est quand même peu. Donc du coup, certains se réorientent vers des HLM ou des foyers de jeunes travailleurs, mais qui parfois non plus ne sont pas en mesure d'absorber tout cela. Et donc du coup, ce sont ces différentes problématiques qui nous ont amené à créer un travail de plaidoyer, en plus du travail d'études qu'on fait, c'est-à-dire qu'on interpelle les pouvoirs publics par rapport à la situation, notamment nous basons sur les chiffres de notre étude, également sur les chiffres d'études d'associations qui sont bien évidemment un peu plus présents depuis un peu plus longtemps que la nôtre. Je prends l'exemple des Restos du Cœur ou du Secours Populaire.
C'est-à-dire qu'on interpelle et qu'on dit la précarité étudiante, elle existe bel et bien, malheureusement. Donc, du coup, des mesures doivent être mises en place pour pouvoir aider les étudiants à réussir au mieux leurs études. De l'information, déjà, voilà. Pour les dispositifs qui existent, c'est ça. Oui. Et ensuite, concrètement, des bourses qui soient justement plus conséquentes ou qui soient... On va dire que les bénéficiaires pouvaient avoir une assiette plus large. Oui, je dirais donc du coup des bourses un peu plus conséquentes également, ouvrir le champ d'attribution des bourses, vu que pour l'instant c'est basé sur les revenus des parents et non sur les revenus des étudiants, alors que quand même un étudiant représente pour un parent, en fonction je dirais du lieu d'études, à peu près entre 8 000 et 12 000 euros par an. Tout dépend, bien évidemment, comme j'ai dit, du lieu dans lequel l'étudiant étudie. Donc, du coup, c'est un coût. Sachant que le loyer, en région parisienne, j'imagine que cette part-là est plutôt la valeur haute. Oui, voilà. Malheureusement, et c'est vraiment tout ce travail qu'on fait au sein de l'association. On ne fait pas que distribuer des paniers et accompagner les étudiants. C'est vraiment un travail de fond qu'on fait. Vu qu'on se questionne toujours, on se dit quand même que ce n'est pas nous, je dirais, d'aider nos pairs. Ce serait plutôt aux pouvoirs publics, je dirais les mairies, le gouvernement en général, de pouvoir répondre à cette problématique-là. Mais nous, on le fait parce qu'on est conscient quand même que tout cela existe et qu'il faut quand même faire quelque chose. Et donc, du coup, on sera toujours là pour aider les étudiants tant que cette précarité, elle existera. Oui. Claudia. Alors, tout d'abord, je dirais quelque chose d'abord d'une grande évidence que nous le savons tous, c'est respecter la promesse, les promesses politiques, c'est-à-dire zéro personne sans service dans la rue. Mm-hmm. Bon. Ça me rappelle quelque chose. Ça vous rappelle quelque chose, et c'est vieux déjà. N'est pas seulement très récente. Et après, et j'insiste, c'est... Non. Non, mais j'allais dire, mais puisque les promesses ne sont pas tenues, c'est dû à quoi? Alors, est-ce que c'est un problème de moyens, de dettes qui ne sont pas bien ciblées, ou est-ce qu'il y a une rétention quelque part, ou est-ce que c'est inadapté? Non, oui, on pourrait parler d'une part d'une certaine inadaptation, et qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, souvent créé par le type de représentation que mobilisent les acteurs politiques, les acteurs de l'associative, etc. L'exemple concret, c'est la question du logement. L'accès à logement et à rendre compte si on est éligible au logement, c'est fait... en partant de cette équation que je vous ai dit. C'est-à-dire que le mot d'ordre, c'est en réalité resocialiser, réinsérer les personnes, vous voyez, réintégrer. Alors que, d'une part, il faudrait partir de l'idée que ce sont des personnes qui sont absolument à l'intérieur de notre société, sauf que ne bénéficient pas, justement, de bénéfices de notre société. C'est ça, l'exclusion. Il n'y a pas de personnes en situation d'exclusion radicale. Donc, c'est un travail avec les catégories et les catégories des institutions, pas seulement les catégories de l'expérience qu'il faut complètement modifier, parce que préoriente des traitements des populations et préoriente les dispositifs. Et donc, dans le logement, vous pouvez voir, mais c'est, moi je l'appelle le chemin du purgatoire, c'est-à-dire il y a un entre-deux où il faut prouver qu'on est capable d'habiter, c'est ça. Il faut prouver cela, alors qu'il ne faut pas oublier. Les personnes sans abri sont une grande partie des travailleurs pauvres aujourd'hui, connaissent très bien de quoi il s'agit dans la société, sont des enfants, des ouvriers et des travailleurs, dont la précarité la connaissent depuis longtemps, mais connaissent aussi la dynamique du social et la dynamique de l'injustice sociale et de la mauvaise distribution économique. Donc il faut modifier et transformer la représentation que nous avons, et que ce n'est pas que des représentations. Attention, parce que vous pouvez dire c'est que des images. Non, c'est pas que des images, ce sont des pratiques. Il y a la pratique que moi je l'appelle de mutilation biographique et la pratique de la déterritorialisation. La mutilation biographique implique précisément la négation des vies entières, ce que je viens de vous dire.
Vous savez que pour que les personnes accèdent à différents bénéfices, il y a toujours une commission des travailleurs sociaux, des acteurs politiques de la commune, etc., etc., qui se réunissent pour analyser des dossiers. Hein, des personnes. Moi, j'ai pu participer de ces réunions. Et pour voir, ce que j'ai constaté, et ce que j'appelais la mutilation biographique, c'est qu'on on essaye de construire une biographie en fonction des dossiers, une biographie qui puisse être insérée. Tout le passé, tous les savoirs, toutes les compétences que les personnes ont et qui sont peut-être désuétées aujourd'hui, hein, qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, sont mis de côté. Sont mis de côté, absolument. Hein. Et donc, on fait une mutilation biographique jusqu'à construire la figure qui va entrer dans les dispositifs possibles de l'insertion. Ça, c'est une chose. Et après, il y a tout le processus de la déterritorialisation. Il faut partir de l'idée que la catégorie qu'on utilisait toujours, sans domicile fixe, ou l'acronyme SDF, hein, qui ne veut pas dire toujours la même chose. Très bien. Mais en réalité, ne parle presque rien, en réalité, de la situation des personnes sans abri. Parle d'une dispute historique hein, qui existe presque, je dirais, du Moyen-Âge, avec d'autres types d'institutions, bien entendu, que c'est qui est le responsable du pauvre. Quand je dis qui est le responsable, c'est qui paye. Hein. Et donc, la grande dispute, c'est entre la commune et les intérêts généraux. Hein. Et donc, moi, j'ai travaillé des longues années à Nanterre, et on voyait, ou dans le Haut-de-Seine en général, et il y avait même des dispositifs, des petites navettes, où on amenait les personnes sans abri dans la frontière de l'autre commune, hein, puisque les communes disent, mais nous ne sommes pas responsables de ces personnes, puisqu'ils ne peuvent pas faire preuve de domiciliation. Alors qu'en plus, c'est très intéressant parce que dans la Constitution, tout habitant peut être et appartenir à une commune. Et l'État dit, mais moi je n'ai pas pignon sur rue, donc je ne peux pas agir. Hein. Donc je vous file un petit peu d'argent et c'est vous que vous agissez. Hein. Et donc il y a une dispute énorme entre intérêts locaux, je dirais, et intérêts généraux. Et donc, cela provoque constamment des déterritorialisations. Je ne sais pas si ça vous fait écho quand même de ce qui se passe avec les réfugiés dans l'Europe. C'est la même logique, mais à l'intérieur de la France, à l'intérieur du territoire national. C'est intéressant, effectivement. C'est aussi quel est en fait l'équilibre entre le rôle de l'État, enfin de la politique publique, mais aussi de la société civile et de toutes les associations. Est-ce qu'aujourd'hui, cette articulation-là est bonne ou est-ce que vous avez des critiques par rapport à ça ? Non, je dirais qu'il y a quand même de très bonnes intentions. L'État, de toute manière, c'est un champ de lutte. Donc, il ne faut pas penser l'État comme quelque chose d'homogène et monolithique. Donc, l'État est capable de discuter, de dialoguer aussi avec toutes les intentions associatives, etc. Et c'est fondamental, ce dialogue qui soit permanent entre la société civile représentée par ces différentes institutions ou associations et l'État, bien sûr. Si vous aviez une baguette magique que vous pourriez actionner, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Changer ou améliorer ? Bon, j'irais plus améliorer la condition des étudiants, c'est-à-dire de manière générale, c'est-à-dire offrir plus de places dans l'enseignement supérieur, vu qu'on a quand même une surcharge de certaines licences, etc., ce qui peut entraîner quand même une pression considérable pour les étudiants, surtout quand ils ont un job étudiant à côté, surtout pour les formations sélectives également. Je dirais également mettre en place des allocations. Mais je pense que c'est un peu des revendications qui reviennent souvent de la part de syndicats étudiants ou d'étudiants d'associations, des allocations pour les étudiants, c'est-à-dire, je dirais, peu importe la situation. Bien évidemment, on prendrait toujours quand même en compte la situation, mais cette fois-ci qui serait plutôt propre à l'étudiant et pas aux parents. Et vu que Madame Girola l'a dit, il faut également prendre en compte dans la situation dans chaque territoire. Du coup, je dirais peut-être pas des aides uniques, donc du coup un montant unique, etc., mais plutôt un montant qui correspond directement au lieu d'habitation, je dirais, d'études. La réalité géographique du terrain. Par exemple, à Paris, le loyer et la vie est beaucoup plus cher qu'en banlieue parisienne ou en Ile-de-France en général. Est-ce que vous auriez des propositions aussi, une baguette magique ? La baguette magique, oui. C'est ça.
Non, moi, je voudrais justement une magie paradoxale, c'est-à-dire que simplement, on met en fonctionnement les droits. Qui existent déjà. Qui existent déjà, oui. Absolument. Par exemple, en 2007, on a mis en place la loi Dalo, c'est-à-dire le droit au logement opposable. Vous vous souvenez, ça a été le résultat de la lutte du groupe des enfants de Don Quichotte dans le canal Saint-Martin. C'est très intéressant d'observer et d'analyser, parce que là, c'était justement le droit à l'accès à l'hébergement. Sauf que ce droit à l'hébergement est devenu le droit au logement. Pourquoi ? D'abord, il n'y a pas de construction de logements sociaux, ça c'est important aussi, on oublie. Et donc, les personnes n'ont pas accédé, les statistiques, je n'ai pas en tête les statistiques, mais les statistiques montrent, de toute manière, c'est très très peu des personnes qui ont accédé à ce droit et au logement. Et donc, encore une fois, même si à donner des bénéfices, parce que vous savez qu'existait la logique des 5 jours, les personnes qui entraient dans des centres d'hébergement pouvaient rester jusqu'à 5 nuits. À la 5e nuit, il devait partir du centre d'hébergement, encore une fois, à la rue, avec tout ce qui implique. Maintenant, s'ils entrent dans les dispositifs de la loi Dalo, ils sont assurés qu'ils entrent dans un circuit d'une certaine sécurité, mais qui vont rester d'une manière permanente dans les statuts d'hébergés. Mais on n'arrive pas, de toute manière, à accéder au logement. Il n'y a pas de logement. Et encore, je dirais que ça fonctionne encore, cette idée qu'il faut encore le resocialiser pour qu'il puisse supporter d'être... Il y a toute une mythologie, c'est assez impressionnant, pour finalement rendre compte qu'on est capable d'habiter un espace et de construire... Un chez-soi, c'est la question du chez-soi. Donc si je comprends bien, appliquer le droit aussi, et peut-être de nouveaux droits aussi. Je cite un exemple, le Conseil national de l'alimentation, l'année dernière, a sorti trois propositions pour justement améliorer la situation alimentaire. Et le premier, c'était d'instaurer un droit à l'alimentation. Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui. C'est une bonne idée? Je dirais que c'est un droit naturel. Il ne faut même pas l'institutionnaliser. C'est un droit depuis toujours. Donc, c'est presque violent d'entendre ça. Oui, c'est presque... Deuxième proposition, améliorer l'accès et la qualité des denrées alimentaires. Alors, c'est vrai que quand on peut y avoir accès. Et une troisième initiative aussi, troisième proposition, c'est de développer des initiatives complémentaires et alternatives, comme par exemple développer les épiceries solidaires et les jardins partagés. Est-ce que ça aussi, ça pourrait être des pistes de solutions? Oui, mais c'est toujours comme ça. En général, pour la personne sans abri, on imagine il serait bien au milieu de la campagne, au milieu de la nature. Et en plus, c'est toujours les déplacés. Et c'est alors cela, toujours l'alternative. Ils ne veulent pas l'alternative. Ils veulent être similaires, être dans une similarité avec tout le monde. Après, on peut penser la qualité, bien entendu, et bien entendu que je ne suis pas en train de dire que la vie des personnes sans abri, elle est belle, pas du tout. Mais je veux dire que ce n'est pas dans leur... priorité, la qualité. C'est un petit peu la même idée de la question de l'utopie de celui qui l'impose, une communauté, alors qu'il ne cherche pas une vie dans la communautaire, je parle. Faire partie d'une communauté. Non. D'accord. D'autres remarques? Je rebondis un peu sur ce que Mme Girollet a dit. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec elle sur le fait que institutionnaliser le fait de pouvoir bien s'alimenter, c'est un peu, contre nature, vu que on est tous censés pouvoir s'alimenter correctement. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour certains étudiants. Par rapport à la deuxième mesure que vous avez soulignée sur le fait de permettre un meilleur accès à une meilleure alimentation, je dirais quand même que ça peut être un sujet de discussion, vu que
le loyer étant le premier poste de dépense pour les étudiants et l'alimentation vient après tout cela, souvent on est amené à se tourner vers de la nourriture, je dirais, ultra transformée, notamment en raison du coût de la vie. Vous l'avez également dit, le coût des produits alimentaires a augmenté de 12%, alors que 12-13%, le gouvernement nous promet une réforme des bourses. Mais on constate que cette réforme, elle sera que de 4%. Donc, du coup, on aura une augmentation de 4% des bourses pour ceux qui peuvent en disposer, alors que le coût de la vie, lui, il augmente plus rapidement que le coût des bourses qui, à chaque année et à chaque fois, a augmenté, d'une petite dizaine d'euros, Donc, oui, je voulais ajouter quelque chose. Bien sûr. Elles sont très conscientes qu'elles sont au bout de la chaîne. Et c'est très intéressant l'analyse qu'ils font, parce qu'ils savent que tous les invendus et tous les invendables des commerces, des entreprises, des productions d'alimentation, ils sont bénéficiés. Vous savez qu'ils ont quand même une réduction d'impôts par rapport à la banque alimentaire. Mm-hmm. Donc, ils savent qu'ils jouent, ces personnes, un rôle économique. Sans leur demander quand même. Et donc, qui facilite en réalité, finalement, je dirais, tout un dispositif qui existe et qui continue à exister grâce à eux et qui, d'une certaine manière, n'améliore pas du tout la situation. N'améliore pas du tout la situation. Et parce que ce sont les invendus, ce sont les invendables, donc c'est en réalité la qualité, celle que n'est pas la meilleure. Donc elles savent que de toute manière elles reçoivent ce qui arrive à la fin. D'accord. Et il y a toute une espèce d'identification avec la question du déchet, de se considérer comme déchet. Donc je voulais quand même justement ajouter que être à la rue et être dans la visibilité dans l'espace public, c'est quand même très intéressant. C'est presque, je dirais, un acte politique sans le vouloir, dans la mesure que ce sont les personnes sans abri dans l'espace de la ville qui met en évidence ils font émerger l'espace public. L'espace public, justement, comme un lieu de débat. Parce que sinon, c'est en réalité un espace, je dirais, du commun, de ceux qui sont inclus, et pas de ceux qui sont considérés comme exclus. Et donc, les personnes sans abri mettent en évidence par le fait qu'ils perturbent, à un moment donné, cet espace de la ville, mais en évidence et interpellent le passant ordinaire, celui qui passe, de cette présence qui renvoie à l'injustice sociale, à la non-distribution, etc. Donc, ils ont un rôle politique que, bien entendu, peut le reconnaître celui qui est sensible à cette appel, et à cette émergence de l'espace public comme une manière d'interpeller à partir de cette présence. Donc si je résume un petit peu, davantage déjà de l'application du droit qui existe, peut-être on crée de nouveau, mais finalement c'est peut-être pas nécessaire, déjà appliquer celui qui existe, et puis peut-être aussi donc individualiser ou préciser ou régionaliser par rapport en fait aux situations terrain et surtout par rapport à ce que les gens ont vraiment besoin, en fait, je parle des sans-abri et des étudiants, que par rapport aux représentations qu'on imaginerait dont ils auraient besoin. Est-ce que c'est une synthèse, un résumé assez fidèle à votre pensée ? Je dirais un peu que oui. Un peu que oui. Merci. Claudia ? Oui. Oui, oui. Ce débat touche à sa fin, mais je crois que vous nous avez réservé un objet mystère. Je vous remercie d'avoir accepté. Taina, je vous propose justement de nous présenter qu'est-ce que vous nous avez apporté et pourquoi surtout vous nous l'avez apporté. Alors, je suis quelqu'un qui est très... je suis très... je vais dire... je suis très attachée à certains trucs qui me... ce petit sac qui représente le logo de l'association. Et je dirais que... déjà, tout d'abord, pourquoi je l'ai amené. Je dirais que c'est la première symbolique dans les tout débuts de l'association, vu qu'elle a été fondée en août 2020. Donc du coup, au départ, on distribuait, avant tout ce travail d'accompagnement et de plaidoyer qu'on fournit au sein de l'association, des colis alimentaires aux étudiants. Et
On les distribuait dans ces petits sacs. Dans ces petits sacs. Dans ces petits sacs alimentaires. Enfin, malheureusement, c'est, je dirais, c'est plus trop le cas aujourd'hui, notamment en raison du coût c'est important cher, de fabrication justement des sacs. Donc, du coup, on va dire que c'est un peu une des... C'est un collector, c'est ça? On va dire ça. Et c'est également ce petit sac que j'utilisais également souvent. Parfois, je prenais et j'allais encore avec. Je dirais que ça a été fait justement pour... parce que j'étais quand même fière d'avoir trouvé une association sur laquelle je pouvais m'investir, vu que je savais que je voulais m'investir quelque part quand je suis entrée dans l'enseignement supérieur, mais je ne savais pas précisément où. Et à travers cette association, j'ai également pu tout d'abord voir un peu la réalité du terrain, également m'investir à mon échelle justement, vu qu'on c'est un peu un constat qu'on fait quand on est engagé dans l'associatif. Malheureusement, on ne peut pas venir en aide à tout le monde, même si on aimerait bien le faire. Et je voulais également rebondir sur l'histoire du sac. Souvent, on est interpellé par des étudiants, que ce soit bénévoles ou des étudiants bénéficiaires, vu qu'on est tous étudiants, donc du coup, on est amené à fréquenter les mêmes facultés la plupart du temps, qui, quand ils nous voient avec ce sac qui représente le logo de l'association, parfois, ils viennent nous rencontrer, on discute avec eux, et parfois, ils nous glissent. On a souvent ces petites phrases-là, des merci pour ce que vous faites, heureusement que vous êtes là, etc. Et je trouve que c'est quand même touchant qu'on ait ces petites marques d'attention, même si, comme je l'ai dit, normalement, on n'est pas censé venir en aide à nos pères, mais on le fait. Et justement, je trouve que s'engager pour une bonne cause quand on est étudiant et qu'on a un peu de temps à côté, c'est quand même une bonne expérience à tenter pour ceux qui sont étudiants ici et ceux qui nous regardent en ligne, parce que ça permet vraiment, je dirais, de se trouver et de savoir ce qu'on aime bien faire dans la vie, vu que après les études viendra le monde du travail. Et on une aura autre quand aventure. Même... Oui, une autre aventure, je dirais, on aura quand même... Donc c'est un appel alors, aussi. Oui, ouais. Enfin, quand même de s'investir et de s'engager dans des causes qui vous tiennent à cœur. Pas que la priorité étudiante, ça peut être autre chose, des associations culturelles, sportives, etc. Mais voilà, c'était mon petit message. Merci beaucoup, merci pour ce plaidoyer. Merci. Claudia Girola, vous avez apporté... Je vais vous dire ce que j'ai apporté. Peut-être vous connaissez ce que c'est. C'est un maté, c'est une calebasse. Mais on peut trouver aussi, vous savez, même dans l'industrie, on trouve même en plastique. Mais disons que le typique qui se consomme le maté, ça c'est l'herbe qu'on met, c'est comme une infusion, comme un thé. Qui a certaines qualités spécifiques, justement, coupe-faim, et énergissant, etc. Alors, pourquoi je l'ai amené ? Parce que je voulais vous raconter une petite expérience en Argentine, mais vous allez voir que ça se prolonge après, ici en France. C'est pour cela que j'ai apporté ce que les personnes sans abri appelaient la petite villageoise, que c'est ce petit vin. En réalité, qui s'appelle la villageoise, mais qu'ils appelaient la petite villageoise. Donc, après la dictature, il y a eu plein de plans alimentaires nationaux, plans d'alphabétisation, etc. Et on a été, nous, les anthropologues, les sociologues, énormément engagés dans ce type de projet. Et donc, j'allais constamment à un quartier vraiment d'extrême pauvreté. J'ai visité certaines personnes qui m'accueillaient. En Argentine, je vous dis, cette boisson se consomme surtout au Paraguay, sud du Brésil, l'Uruguay et l'Argentine. Ça, ce sont les pays particulièrement qu'on consomme. En Argentine, énormément, et particulièrement, c'est ce qu'on appelle là-bas les secteurs populaires, les secteurs un petit peu plus précaires socialement. Et qui boit, et se boit, disons, avec la famille, avec les amis. Vous n'allez pas boire dans un bar ou dans un restaurant, vous n'allez pas demander cela. Et donc, dès que quelqu'un arrive, comme je vous dis, surtout dans les secteurs populaires, immédiatement, on met l'eau à bouillir, parce que, alors, on met l'herbe là, et après, il y a toujours une personne qui va verser l'eau chaude et donc on va préparer le maté, l'infusion. Donc j'arrivais toujours chez Carmen dans une maison et j'arrivais toujours à l'heure du feuilleton, c'était fondamental
Hein, c'était trois femmes. Et moi, j'avais trouvé très intéressant justement de participer, de partager avec elles, de regarder le feuilleton. Ce sont en général des feuilletons mexicains où il y a la confrontation des classes. C'est toujours l'histoire de l'employée domestique qui est tombée amoureuse et le jeune homme de la famille élitiste qui a tombé amoureux. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est des déclencheurs, hein, des histoires d'elles aussi, de ces personnes. Donc j'aimais bien participer de cela. Et alors évidemment, préparer le maté, parce qu'il faut immédiatement créer cette commensalité comme un lien. Très bien. Donc, comme je vous ai dit, il y a toujours une personne hein, qui verse là l'eau, etc., et le passe. Et donc la personne le prend et il boit. C'est une paille métallique. Et boit et le rend immédiatement. Donc après, me le passer à moi. Et donc, bon, je buvais... Parenthèse, je ne bois pas du maté. Je ne bois pas, c'est dans ma famille, sauf mon mari que oui, il boit du maté. Quand on est arrivé en Argentine, on a trouvé un lieu qu'on vendait la hierba. Il m'a dit, bon, ça y est, sauvé, parce qu'il pouvait boire son maté le matin. Très bien, donc elle me le passait, ouais, je le finissais, peut-être je le gardais un petit peu, et après je le rendais, on me demandait toujours, tu as fini ? Oui, je l'ai passé. Et les jours sont passés, les semaines sont passées comme ça. Moi, je revenais tout le temps, hein, travailler. Jusqu'à ce qu'un jour, Carmen m'a dit, tu sais, toi, tu ne bois pas du maté. Non, c'est vrai. Et donc, ça, c'était très intéressant. Parce que j'ai dit, non, c'est vrai. Oui, on t'a regardé pendant des jours, des semaines. Et on s'était rendu compte que tu n'étais pas habitué, puisque par exemple, il faut le rendre immédiatement. Toi, tu le gardais. On te demandait si tu avais fini. Tu disais oui, mais quand on dit qu'on a fini, on ne boit plus, on ne fait plus la tournée. On continuait à te donner et on s'était dit jusqu'où, jusqu'à quand il va tenir. Et donc, c'était très intéressant, parce qu'à ce moment-là, et moi je pense que précisément, et ce n'est pas en dehors... Hein, du sujet qu'on traite, c'est à l'intérieur justement de ces situations de partage, de commensalité, de convivialité, et où il y avait ce liquide hein, qui circulait et que d'une certaine manière nous constituait un petit groupe, je dirais, une petite communauté d'expérience à ces moments-là, c'est tout. Et pour un instant, la situation s'est renversée, c'était elle qu'ils avaient... le savoir et la compétence, et qui me disait, ça s'est fait comme ça. Hein? Ça s'est fait comme ça. Et tu aurais dû le dire. Et c'est vraiment à partir de ce moment que s'est créée une relation, une communication. C'est là qu'est née vraiment notre communication. Donc je trouvais que c'est important, et c'était autour justement de quelque chose qu'on consommait hein, ensemble. Alors quel est le lien alors avec la... Oui, je l'ai dit. Et donc... Le lien, c'est que quand j'ai commencé à travailler dans le Haut-de-Seine, surtout à Nanterre, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient hébergées dans la maison de Nanterre, je pense que vous connaissez tous. Et donc, quand j'arrivais, ils étaient en groupe et ils buvaient en général bon, du vin. Et c'était la petite villageoise. Alors hier, j'ai dû chercher partout pour accomplir le mandat du petit Merci objet. Beaucoup. Mais ce qui est important là, c'était que quand j'arrivais, donc ils étaient en train de parler, discuter entre eux, etc. Et alors, ils m'invitaient. Alors d'abord, moi, je ne bois pas du vin. Et deuxièmement, je n'allais pas boire du vin avec eux. Surtout pas la petite villageoise. Donc je disais non, merci beaucoup, ne vous inquiétez pas. Et si, ils s'inquiétaient, parce que je ne pouvais pas m'intégrer à continuer à parler avec eux si je ne consommais pas quelque chose. Donc, il y avait toujours quelqu'un qui partait m'acheter un coca, de l'eau minérale, etc. Et c'est à ces moments-là que je pouvais participer et être avec eux. Donc, c'est très important pour la construction de la relation de confiance, pour la construction et la reconnaissance de la compétence. Hein, moi, je mets l'accent énormément sur la reconnaissance que ce sont des personnes qui... construisent du savoir, construisent des compétences dans la rue, mais qu'ils apportent hein, déjà des compétences et du savoir, comme je vous ai dit. Hein, les gens disent, et il y a une phrase qui revient constamment, « Nous avons cotisé ». Et quand ils disent ça, c'est très fort, parce qu'ils ne sont pas en train de dire seulement « On nous a pris hein, ».
Ils disent, je fais partie de la solidarité nationale, j'ai contribué aussi, j'ai fait partie de la communauté, j'ai fait partie de la société dans laquelle nous tous participons. Donc j'avais pensé, merci, comme vous avez dit, j'ai pensé 3 jours sur quel objet, et ça m'est venu justement parce que je voulais lier évidemment l'objet avec quelque chose qui était en lien avec la question de l'alimentation ou du partage. Merci beaucoup. Merci, c'était très très intéressant. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, le débat touche à sa fin. Je remercie donc vous, cher public, d'avoir été présent. Je vous remercie, Claudia Giroula, d'avoir été avec merci nous. Merci à vous. Taïna merci Forbin également. Et puis, je vous donne rendez-vous. Le prochain débat aura lieu le lundi 17 avril avec un thème autour de l'alimentation et la culture. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci. Hop.